tout Le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour ma drifteuse 1/8e sur la base du euh, Slayer. Euh, bon, à l'origine, c'était une Revo que j'ai transformé en Slayer parce qu'il y a les triangles courts. Donc, le petit projet avance bien. Euh, j'ai réglé le problème de l'extérieur, je l'ai passé au banc. Donc, euh, par rapport au, au carrossage et au parallélisme pincement ouverture carrossage comme ça donc là on est à 3% et on est à 2% de pincement de chaque côté et quand il ya le pneu quand il ya un peu le, le poids des batteries de chaque côté on arrive à euh, presque 4 en carrossage donc c'est pas mal pour le drift euh, pour drifter euh, à l'arrière je suis en pont fixe donc euh, euh, là j'ai l'option haute racine en spool avec la couronne haute racine helicoïdale avec les grosses dents. <laughs> Donc normalement je ne devrais pas avoir de problème là-dessus à part peut-être les roulements. Euh, mais je pense que je vais augmenter le carrossage parce que j'ai presque euh, tout le pneu qui est au sol. Euh, et moi ce que j'aimerais bien, comme c'est une 1 8 a fait son poids, j'aimerais bien avoir que juste là... Voilà, juste que ces traits-là, au début, il n'y a que eux qui touchent le sol. Là. Donc ça, il y a moins d'adhérence au sol, donc normalement, plus de glisse, de, de glisse. Donc on va voir. Donc ça, pour moi, ce n'était pas un problème de la passer en, en pont fixe, euh, régler le carrossage, tout ça, ça, ça l'arrière, pas de problème, mais plutôt l'avant. L'avant, on est quand même sur une REVO euh, avec beaucoup de pièces. Euh, à l'intérieur ici du système euh, de direction, donc c'est une direction qui passe pile poil partout. Euh, d'origine, d'origine, on a les rotules, donc le, la fusée, hein, la fusée là voilà. donc d'origine la rotule, voilà, la rotule. Vous voyez, elle a pas beaucoup, elle, elle a presque pas de, de, de regardez, vous voyez? Donc moi, déjà, j'avais fait des encoches ici. Mais du coup, l'encoche avec la suspension, et comme la suspension est comme ça, bah du coup, le, la rotule à la place de se trouver dans son trou pour gagner un peu de carrossage, voilà, elle était ici. Donc là, en fait, je gagne rien du tout. C'est la bague de la gêne. Donc du coup, ici, j'ai laissé sur cette porte fusée là, j'ai laissé juste le haut et le bas. Et j'ai enlevé tout le reste. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé tout le reste. Donc, il reste quand même une bonne partie en haut, hein, parce que j'ai mis un, j'ai mis un post sur Facebook et il euh, y a une personne qui m'a dit dès qu'il va avoir le premier impact, ça va se déboîter, ça va se casser. Mais il reste quand même beaucoup de matière qui tiennent les rotules. Donc, d'origine, franchement, on tourne à ça avec une révo d'origine avec la direction et tout moi j'ai dû modifier donc j'ai modifié mes fusées et j'ai dû modifier aussi les tirants de direction donc du coup euh, ça c'est des chats de arma euh, arma craton comme ça il y a des petites euh, des petits coudes donc le coude lui ça serait plus pour venir à l'intérieur parce que quand je braque à fond, parce que du coup, quand on règle un problème, donc là, en direction, je ne pourrais pas avoir mieux, je suis à fond. Au-dessus, après, c'est le triangle qui touche. Donc là, je suis bien. On n'est pas à 90 degrés, on est à un bon 70-75. Donc ça, c'est super bien déjà en drift. Mais du coup, après, c'était l'échappe qui gênait. Par rapport à là. En fait, quand j'étais à fond, comme la chape est fixée ici, quand j'étais à fond, la chape venait toucher la roue. Donc du coup, j'ai mis une chape coudée. Donc, du coup, la roue ne pourra pas venir frotter sur la chape. Donc, déjà, ça, ça me fait gagner. Et de deux, euh, je peux aller à fond à l'intérieur comme ça avec la direction. Mais en, en retour, je ne pouvais pas aller plus loin que ça. À cause de la direction. Allez, parce que quand on règle un problème, bien sûr, il y en a plein d'autres qui arrivent derrière. Donc, la direction qui est là. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez la direction là. Là, elle est tenue par deux vis, donc une droite et une gauche là. Et le pas de vis, il est derrière. Et en fait, ce qui me gêne, c'est la partie de devant. Parce que quand je mets ma chape, voilà, je suis bridé comme ça. Donc quand je veux pousser ma roue jusqu'à là, et ben en fait, ma chape, elle se met comme ça et elle est bridée. Donc je ne peux pas pousser ma roue. Donc je peux la pousser jusqu'à fond là. Ici. Après, pour tirer, sans la roue de l'autre côté, pour tirer, ça tire jusqu'à là. J'ai réussi que la direction attire vraiment. Mais le problème, c'est de l'autre côté. Si je n'arrive pas à pousser, ben, je ne dépasserai pas ça. Et je pourrais aller jusque-là, mais je ne pourrais pas dépasser de ça parce que euh, c'est la chape qui gêne là. Donc, du coup... Hein, normalement, c'était juste euh, la passer au banc à l'arrière et je voulais régler quelques trucs sur la direction. Euh, bah du coup, obligé de démonter ça, de faire les encoches, ça c'était prévu. Mais après, l'échappe a mon gêné, donc a fallu que je trouve des échappes avec des coudes, avec des bonnes rotules, euh, des bonnes bouboules, là, si c'est rotule ça, euh, de la bonne longueur pour pas que ça soit trop court ni trop loin, que je puisse régler. Quand je dévisse, à s'écarte et à machin donc euh, un pas de vis de chaque côté euh, et là j'en suis rendu que bah c'est cette pièce là qui me bloque donc du coup il va falloir que je démonte tout le bas du châssis donc euh, tout ce qui est euh, faux, euh, faux plat hein, vous voyez je vous remonte mais vous avez déjà vu c'est le dessous de la X01 adapté donc, du coup, il va falloir que j'enlève ça, il va falloir que j'enlève la direction, il va falloir que je coupe les deux parties qui sont ici. Visser avec une vis là devant. Une fois que la rotule, une fois que le plat de la rotule est bien fixé avec la vis, il euh, n'y a pas besoin de la petite partie qui est là. Et s'il n'y a pas besoin de la petite partie qui est là, ça veut dire que sans cette partie en ferraille, j'aurais beaucoup plus. De débattement de, bah de, 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 avec la rotule par rapport à ça. Donc pour l'instant, j'en suis rendu là. Euh, J'étais content parce que j'avais presque fini, mais du coup là, j'ai pas presque fini. Allez, ah, quand on règle des problèmes, il y en a toujours d'autres qui viennent. Hein. Et je pense qu'il va falloir que je change la corne de cerveau parce qu'elle est trop courte. Parce que plus tu mets une corne de cerveau longue et plus tu mets. Ton raccord de la direction à, à la, à la direction à la corne de cerveau, plus ça va être long, plus ton point de fixation il va être plus loin. Plus quand tu vas tourner à droite et à gauche, plus tu auras de débattement avec ta direction. Parce que si ton point d'attache il est prêt, il est tout prêt, ton cerveau il bouge pas beaucoup. Hein. Ça tu peux le régler avec une manette, mais même si à 100%. Il n'y aura pas donc plus tu es loin, plus tu as de course en fait. Plus ta course est longue, plus tu te rapproches du point du cerveau, plus ta course est courte. Voilà donc, il va falloir que je change la corde pour aller plus loin, mais il va falloir que je modifie correctement parce que j'ai le châssis qui est là, qui est là. Et ici, euh, si je mets une corde plus longue, elle touche le châssis donc il va falloir encore modifier ça. Mais de toute façon, je m'attendais à, à ça parce que elle normalement n'est pas. Pas du tout prévu pour ça. Le système cantilever avec euh, les triangles et tout, c'est pas du tout prévu pour tourner fort et revenir fort. C'est vraiment prévu pour faire du MT et tout. Donc on leur demande pas de braquer euh, comme un truc de fou. Après tous les châssis un huitième que j'ai vu euh, ne vont pas aussi loin de ce que je viens de faire sur mon véhicule. Euh, donc à voir. à voir dessus aussi pour vous montrer j'ai la barre anti-roulis donc en MT ça sert à rien strictement à rien euh, en mode truggy ça peut te servir mais ça sert quand même beaucoup plus sur le goudon donc, les barres anti-roulis euh, haute racine moi j'ai essayé aussi une autre marque là, qui faisait ça l'autre marque ça marche pas c'est trop euh, flexible beaucoup trop flexible là, on est quand même sur des pattes en aluminium, on a des chaperons en plastique mais là avec des barres droites. Vous regardez, quand je vais monter l'autre côté, regardez. Donc ça fonctionne super bien là-dessus. Donc là, je suis content, à voir si ça va m'aider, à voir si je euh, est-ce que faut que je la démonte, est-ce que euh, donc ça on verra dans les tests. Donc voilà. L'avancée de ma petite drifteuse euh, Revo ou euh, Slayer ou euh, comme vous voulez, euh, j'avance, j'avance bien, puis j'avance dans le bon sens. Euh, donc, si j'arrive à régler le problème de direction, bah du coup, euh, la voiture normalement elle devrait fonctionner à peu près correctement. Dessus j'ai un gyroscope au milieu. Hein euh, dans le bulkhead, pour ceux qui connaissent la Revo 1, dans le bulkhead normalement il y a le diff et tout ça. Avec les cardans, moi j'ai enlevé les cardans, j'ai juste laissé les bouboules, les petites rotules. À l'intérieur, il n'y a même plus de diff. Là, c'est vide, il n'y a plus de diff. Derrière, il y est, mais devant, pour gagner un peu de poids aussi. Euh, et puis peut-être que le cerveau, je vais le changer parce qu'il n'est pas assez rapide. J'ai testé, c'est zut, Moi, je veux un truc qui soit réactif parce que, comme j'ai un gyroscope, j'ai une direction qui soit vachement vif. Euh, pour rattraper toutes mes petites erreurs à la con, parce que là, on parle de drift pas avec des roues plastiques. Là, on parle de drift propulsion avec du gommard. Moi, je veux drifter avec du gommard. Je veux pas drifter avec des roues toutes dures. Je veux que ça fume. Quand... Le but, c'est ça hein, c'est de faire fumer un peu le pneu quand je drift. Voilà. Donc, les gars. Là-dessus, je vais vous laisser parce que moi, bah, j'ai encore euh, beaucoup de boulot dessus en fait, hein, je suis en train de réaliser. Mais le projet avance. Normalement, vous devriez le voir rouler dans pas si longtemps que ça parce que je bute là-dessus et une fois que ça, ça sera réglé, je pense que je pourrai faire les tests. Bon, sur ce, les gars, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao